Hey, salut à tous. Aujourd'hui, nouveau tuto sur comment faire un téléporteur avec un NPC sur Minecraft. Spawner NPC, rien de plus simple. Vous mettez aux coordonnées que vous voulez au slash summon NPC et là vous avez juste à mettre entrée, donc carré, etc. Bon, moi je vais pas le faire vu que j'ai déjà un NPC devant moi, que j'ai déjà fait summon. Ensuite, vous allez à l'intérieur avec, moi du coup ce sera L2, mais sur ordinateur ce sera clic droit. Vous le mettez en nom, bon c'est comme vous voulez, vous modifiez le dialogue pour mettre la quête, etc. Vous l'êtes dans paramètres, bon je choisis un skin mais ça c'est optionnel, on vous mettez un peu ce que vous voulez, en plus il y en a pas mal de skins, hein, n'empêche. Après vous mettez paramètres avancés, donc là c'est là que ça devient intéressant, donc moi j'ai que mis le TP. Ensuite si vous êtes clavier souris ou PC, vous mettez le mode bouton, c'est vraiment très important. Vous pouvez ajouter des commandes à l'infini, du coup vous pouvez faire vraiment beaucoup de quêtes, etc. Et en gros, le mode bouton il va servir, bah du coup je vais me mettre en survie et on va passer au test. Donc après être passé en survie, vous allez appuyer sur votre bouton qui permet d'interagir avec le NPC. Donc là c'est de marquer Skyriz, salut, donc Skyriz c'est le nom du NPC, salut c'est ce qu'il dit. Et en gros si vous n'avez pas activé le mode bouton, en bas ce sera pas marqué oui, non, donc en gros être téléporté ou alors faire avec la commande. Et en gros il ne faudra pas quitter cette fenêtre si vous voulez pas être téléporté. Donc en gros moi là, c'est au cas où je quitte cette fenêtre avec Ron, je vais être téléporté ici. Donc je vais être téléporté aux coordonnées que j'ai marquées sur l'intérieur du NPC finalement. Du coup voilà les gars, ce tuto est déjà terminé. Si il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner et à partager les vidéos. N'hésitez pas à donner des idées de tutos, ça m'aiderait énormément. Bon c'est pas que j'en ai pas, mais c'est juste que des idées supplémentaires, ce serait génial. Du coup voilà, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau tuto. Ciao ciao.